Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez doucement, mais sûrement. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un fait divers qui m'a fait froid dans le dos. Au sud des États-Unis, les vaches, les cerfs, les chevaux sont victimes de la prolifération des moustiques liées au passage de l'ouragan Laura. Je vous vois faire de grands yeux et vous dire, mais elle est sérieuse? Elle va vraiment nous parler de moustiques? Oui, mais soyez patients, vous allez voir, ça va vous faire autant froid dans le dos que ça a pu me faire froid dans le dos. Donc depuis que l'ouragan Laura a décimé le sud-est des États-Unis et qui a fait au moins 14 morts, hein, le nombre de moustiques y a explosé, au point de créer de véritables nuages d'insectes ravageurs. Et le plus incroyable, c'est que ces nuées de moustiques s'attaquent au bétail et les tuent. Plusieurs vaches, cerfs et chevaux ont été retrouvés morts dans le sud-est de l'État, couverts de piqûres de moustiques et, tenez-vous bien, complètement exsangues, vidés de leur sang. Au total, entre 300 et 400 bovins auraient été... bovins, juste, et là on ne parle que des bovins, auraient été perdus. Alors, il faut savoir que pour venir à bout d'un cheval ou d'un cerf, les moustiques rassemblés en essaim piquent sans relâche la bête jusqu'à ce qu'elle se vide complètement de son sang. C'est la première fois, tous les spécialistes de la flore, de la faune, etc. s'accordent à dire que c'est la première fois qu'on voit des moustiques agir comme ceci, à savoir un peu comme les guêpes, quoi, en essaim. Donc, épuisés à force de bouger constamment pour chasser les milliers d'insectes qui l'attaquent au même moment, l'animal finit par abandonner et allongé sur le sol, il se laisse dévorer par les moustiques jusqu'à son dernier souffle. C'est horrible. Les bêtes qui survivent, il y en a quand même, hein, doivent également faire face à de nombreuses séquelles. Par exemple, plusieurs vaches en gestation ont perdu le veau à cause du stress provoqué par ces attaques de moustiques. Les moustiques ont été probablement attirés par l'important niveau d'humidité engendré par l'ouragan, comme c'est souvent le cas après ce type de catastrophe naturelle. Dans un communiqué de presse, le Centre agronomique de l'Université d'État de Louisiane a conseillé aux habitants de couvrir les bêtes avec des couvertures et d'utiliser à grandes échelles du pulvérisant contre les moustiques, seul moyen de lutter contre ce fléau. Décidément, 2020, on ne peut pas dire que... Même Steven Spielberg, je crois qu'il n'a pas mis autant de rebondissements dans ses films. Et là, nouveau épisode, les moustiques vampires, parce que c'est comme ça que la presse les a surnommés, et ça vous fait peur. Moi, personnellement, ça m'a fait peur. Alors, je sais, vous dites, bon, ok, c'est affreux, c'est un terrible fait divers, mais en soi, quoi dire autour de ça? Sauf que quand j'ai vu ce fait divers, je me suis rappelé que lorsque j'avais fait ma vidéo sur Bill Gates, et oui, encore lui, on va dire que je m'acharne, tous les aficionados du documentaire de Netflix, arrêtez de regarder parce que ça va pas vous plaire, parce que je fais partie, oui, de ces personnes qui s'acharne sur ce pauvre Calimero que tout le monde montre du doigt alors qu'il est si gentil, Bill Gates. Donc arrêtez, ça va pas vous plaire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que forcément, rappelez-vous, il finance des recherches pour lutter contre le paludisme, la malaria, le chikungunya, la dengue et toutes ces maladies qui sont transmis par un moustique. Et j'ai découvert que ce grand philanthrope de la haute finance présentait une série annuelle qui s'appelle le Mosquito Week. Et je vous mets la bande-annonce maintenant. Thank you.
Alors, je ne vais pas vous mettre toutes les vidéos. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers sa chaîne du Mosquito Week. Hein. Quand vous aurez fini de découvrir ces vidéos, ou même, je pense que celle que j'ai mise est assez parlante, vous comprendrez la source des messages anxiogènes dont nous rabâchent les oreilles les médias eux-mêmes financés. Ah, vous l'aurez compris. Hein. Quand on ne peut pas s'attirer les faveurs du public, quoi de mieux que d'acheter la presse? Bref. Donc, ce monde hanté de moustiques vampires coupables de diffuser la malaria, c'est le sujet des vidéos de Monsieur Bill Gates. Heureusement, on peut retrouver une quiétude grâce à la vaccination par injection de ADN ou ARN. Donc, ouf, super Bill va encore nous sauver. Fantastique. Pour être honnête, il faut savoir que, faut rendre César ce qui est à César, je crois que c'est ça l'expression. Pour être honnête, de départ, hein, ce concept de vaccin n'est pas de Monsieur Bill Gates. Bon, en même temps, c'est comme tous ses projets, au départ, c'est jamais lui qui a l'idée. Par contre, il est trop fort pour voler l'idée et après la dévier parce que je le rappelle, Microsoft, la personne qui a inventé le concept Microsoft, voulait quand même le mettre en open source. Bill Gates, il l'a volé, il s'est enrichi autour de ça. Mais c'est un philanthrope. Arrêtez! Arrêtez d'être méchant! Alors donc, en 2002, n'est-ce pas, il était déjà question d'un vaccin contre la malaria à portée génétique. Il kiffe la génétique. Il avait expliqué qu'en raison de la propagation de la malaria résistant aux médicaments, les efforts visant à mettre au point un vaccin efficace sont de plus en plus critiques. Du coup, la vaccination par l'ADN fournit une source stable et durable de protéines vaccinales capables d'induire des réponses immunitaires à médiation cellulaire et à anticorps contre une grande variété d'antigènes. L'ADN injecté pénètre dans les cellules de l'hôte et fabrique la protéine qui déclenche la réponse immunitaire. Fantastique. Quand même ballot, hein, qu'il faille en arriver à des manipulations génétiques parce que c'est compliqué. Bref, je continue à vous expliquer dans les grandes lignes, hein, en espérant pas vous perdre, mais c'est important que je situe ce système de vaccins contre les moustiques, parce qu'il faut donc comprendre qu'en fonction des besoins actuels, la flexibilité de la technologie des vaccins à ADN permet de combiner plusieurs antigènes provenant des stades pré-héritocytaires. Ouais, je suis docteur. Et érythrocytaire du parasite de la malaria. Des vaccins à ADN contenant des gènes codant par différentes parties antigéniques des protéines de la malaria ont été créés. Certains d'entre eux font actuellement l'objet d'essais sur le terrain. Les résultats de ces essais aideront à déterminer la probabilité du succès de cette technologie chez l'homme. Donc, voilà, vous l'aurez compris, dans les grandes lignes, on va faire bref, on va se concentrer sur le pertinent du truc. Du coup, rien d'étonnant que Bill Gates, hein, il a entendu ADN, il a dit ADN, manipulation, moi, je veux investir, s'il vous plaît. Donc, il a décidé de financer le cours de ses travaux, donc de vaccins par manipulation d'ADN interposé. Oui, une vaccination, vous imaginez, à base de modifications génétiques. Le gars, il est comme un fou, quoi. Forcément, ça le passionne. Il faut savoir que de base, les laboratoires financés par Monsieur Gates ont pris l'option, de base, hein, de faire muter les moustiques. Donc, grâce à ces manipulations ADN que j'ai tenté de vous expliquer dans un charabia qui peut-être vous aura échappé, mais c'est pas grave parce que c'est facile à comprendre. Ces plans, ils sont tellement faciles justement que peut-être les gens ils se disent c'est trop sci-fi, c'est trop. Non, mais non, elle hallucine. Bref. Donc, il faut savoir que de base, les laboratoires financés par Monsieur Bill Gates ont pris l'option de faire tout d'abord préalablement muter les moustiques, puis de les libérer au-dessus des villes pour stériliser les moustiques produits par Mère Nature. Donc, pas de surprise, donc, lorsqu'on apprend le 20 août dernier que les autorités locales de Floride ont approuvé la libération de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés pour réduire la population locale de moustiques et pas la population locale de gens. Encore que
Le doute est permis. L'objectif est de réduire le nombre de moustiques porteurs de la maladie, comme la dengue et le virus Zika. Le projet de relâcher les moustiques en 2021, soi-disant dans les Florida Keys, un chapelet d'îles en Floride, intervient quelques mois justement après que les moustiques modifiés aient été approuvés par les autorités fédérales. Well, 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 what the coincidence, hein? Toujours, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que des fois, je m'embrouille. Mais voilà, donc, comme de par hasard, tout tombe à point à qui c'est attendre, n'est-ce pas, monsieur Bill Gates? Tu fais valider les moustiques génétiquement modifiés et boum, derrière, l'occasion fait le larron, on signe l'accord avec la Floride. Mais bon, en mai, l'Agence américaine pour l'environnement a autorisé la société Oxidex, basée en Grande-Bretagne et exploitée par les États-Unis, à produire les moustiques mâles qu'ils appellent Aedes aegypti génétiquement modifiés, connus aussi sous le nom de OX5034. Il est donc prévu de libérer ces moustiques mâles modifiés qui, espérons-le, se reproduiront avec les moustiques femelles sauvages. Puisque comme vous le savez, seules les moustiques femelles piquent les humains, car elles ont besoin de sang pour produire leurs œufs. Donc les moustiques Aedes aegypti, qui sont connus pour transmettre les maladies mortelles aux humains, donc la dengue, la zika, le chikungunya, la fièvre jaune, le palu, etc. Ces mâles seront porteurs d'une protéine, comme je vous l'ai expliqué dans le descriptif du fonctionnement du vaccin ADN, d'accord? Et en fait, cette protéine tuera toute la progéniture femelle avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte de la piqûre. Les mâles, qui eux ne se nourrissent uniquement que de nectar, survivront et continueront à transmettre les gènes. Or, bien évidemment, hein, ils ont dit qu'avec le temps, l'objectif est aussi de réduire ces moustiques modifiés génétiquement dans la région. Et voilà. Mais par contre, ils savent pas comment ils vont arrêter ces moustiques-là de se. Mais voilà, ça fait partie. Bon, ben, des petites. Quand on essaie quelque chose, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des dommages collatéraux. Sauf que dans une déclaration dénonçant le projet, le groupe environnemental Les Amis de la Terre a déclaré « La libération des moustiques génétiquement modifiés mettra inutilement en danger les Floridiens, l'environnement et les espèces menacées en pleine pandémie ». Le feu vert donné à un projet pilote après des années de débats a rapidement suscité un tollé de la part des groupes environnementaux qui ont mis en garde contre les conséquences involontaires. Mais forcément, les écolos, ils ont toujours tort, on les tourne toujours en dérision, on les catalogue assez rapidement de anti-progressistes alors que ça n'a rien à voir et que vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, j'aurais pensé que les mentalités changent, mais je vous dis, c'était le mois dernier. Donc, rien, ni le pangolin, ni whatever, parce que qu'on y croit pas, c'est quand même la version officielle. Rien n'y fait, rien ne change la course au profit et la mentalité incroyable du nouvel être humain. Mais ce qui a particulièrement attiré mon attention quand j'ai entendu donc les réactions des activistes écologistes en disant « oui, mais non, c'est pas possible parce que ça va profondément bouleverser la balance, l'équilibre de l'écosystème », là, il y a eu une erreur. Pour moi, ils ont fait une erreur, les laboratoires, parce qu'il y a un scientifique d'Oxitex qui a déclaré à l'agence de presse AFP n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La preuve, nous avons libéré plus d'un milliard de nos moustiques déjà au fil des ans et nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il n'y a pas de risque potentiel ni pour l'environnement ni pour les humains. Oh, what the fuck? Vous vous en doutez, j'ai rapidement tiré les conclusions qui s'imposent. Ce nouveau genre de moustiques vampires qui tuent en vidant leur sang les animaux en Louisiane sont pour moi, sans nul doute, la résultante de ces expériences. Nous avons été pris en otage par nos technologies, mais nous sommes restés illettrés sur ce qu'elles signifient réellement. Et j'en reviens à accuser et à montrer du doigt tous ceux qui m'ont regardé dans les yeux en me disant « Moi, j'ai vu le documentaire Netflix et le gars, franchement, Bill Gates président, quoi. Il est fantastique. » Non, juste, tu comprends rien.
tu sais rien. Et puis j'aime bien. Moi, Bill Gates, il faut que vous sachiez que ça fait à peu près 10 ans que je le suis. Je suis passée de très très fan à premier détracteur en chef. Et pour ce faire, j'ai suivi pas à pas son actualité, ce qu'il faisait, ses impairs, ses anecdotes, sa vie quoi. Je suis pas groupie, mais quand j'aime quelque chose, hein, vous pouvez le voir à travers mes sujets, j'ai tendance à creuser. Et quand j'ai des gens qui, au détour d'un commentaire Netflix, sont capables de venir me dire à moi que j'ai tort, si vous voulez, je le ressens un peu comme si demain, je lisais un livre sur le tennis et que je décidais d'appeler Roger Federer pour lui dire, hey mec, en fait, ta technique, elle n'est pas très bonne, mais moi, j'ai lu un livre et je vais t'apprendre à jouer au tennis. Bon, ben voilà, c'est un peu pareil. Et ça me frustre beaucoup, mais après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais vous trouvez pas quand même qu'on vit aujourd'hui dans un monde où des gens arrivent et vont parler avec une arrogance et un aplomb qui limite vont vous faire douter de vous, alors qu'au final, c'est basé sur du vent. C'est dur et ça en dit long. Ça en dit long sur les mentalités. Et pour confirmer mes propos, hein, les gens qui nous ont enlevé, qui sont en train de nous enlever toutes nos libertés ces dernières semaines, sont des ingénieurs sociaux, des politiciens, des leaders d'opinion mondialistes, des banquiers, des fanatiques de l'OMS. Et leur armée est composée de médias grand public qui sont maintenant littéralement une machine de propagande parfaite 24 heures sur 24 pour le pandémique Reich de Monsieur Bill Gates. Et j'assume mes propos. Son arme, c'est la peur. Regardez, il n'y a qu'à regarder la vidéo anxiogène. Je vous la remets si vous l'avez passée ou si vous ne l'avez pas comprise. Regardez ces vidéos qu'il promeut et son mot préféré, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est et ça pourrait, et si pourrait, il pourrait arriver, il vous piège avec une forme de biodette, créant des simulations de toutes les choses imaginables qui pourraient se produire, mais qui ne se sont pas encore produites. Bill Gates attend depuis longtemps un virus avec un tel potentiel pandémique. Comme il l'a dit lui-même, pas dans le reportage Netflix, mais creuse un petit peu, vas-y, tu peux le faire. Je te fais confiance, toi, le supporter de Bill Gates, drapé dans tes convictions basées sur zéro argumentation. En ce moment, j'ai l'impression que nous sommes perdus dans une simulation cherchant à nous accrocher à la vérité et à la réalité. Une façon de le faire est de s'emparer des mots, de les ralentir et de les analyser. Car malgré toutes les sonnettes d'alarme, les incohérences, les incompréhensions, les illogismes, cela n'empêche pas la promotion du vaccin génétique à l'image de celui du Covid-19. Monsieur Guest et sa galaxie travaillent sur une plateforme de vaccination unique. Et même si Monsieur Bill Gates reconnaît multiplier sa mise financière par 20 grâce à ses actions philanthropiques et naturellement exonérées d'impôts, hein, puisqu'il s'agit de fondations, le privilège de pouvoir faire modifier la nature à sa guise est un privilège de droit divin qui pose, selon moi, des problèmes fondamentaux et existentiels. Et pourtant, ça se fait au KLM. Une abonnée que je tiens à remercier d'ailleurs, c'est Solamis. Si je ne me trompe pas, pardon si je ne cite pas bien comment on appelle ça, ton pseudo, m'apprenait récemment qu'une loi biothétique avait été votée en France. Et là, je suis choquée. C'est une rupture anthropologique majeure. Trois lignes rouges sont franchies. Cultiver l'embryon jusqu'à 14 jours, créer des gamètes artificiels, créer des embryons, ça je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus peur,
transgéniques et des embryons chimères avec la possibilité d'expérimenter la création d'embryons animaux dans lesquels seraient intégrées des cellules humaines. Mais les gars, c'est une rupture anthropologique majeure, je le répète. Intensification de la sélection prénatale. La technique du bébé médicament a été votée et même aggravée. Introduction de l'interruption médicale de grossesse, j'en avais déjà parlé, d'avorter jusqu'au terme de sa grossesse d'un fœtus sain. Ce tri des embryons sera ouvert à tri expérimental pour 3 ans. Cela aboutirait à accroître l'eugénisme. Voté à main levée dans la nuit du 1er août par moins de 20% des 577 députés, 60 voix contre 37 et 4 abstentions, aboutit à une complète rupture éthique. Un pas de plus vers le business de la procréation. C'est un véritable basculement pour la France qui a toujours fait du principe de non-marchandisation de l'humain et des éléments de son corps un principe d'éthique fondamental. Il prévoit que la recherche utilisant les CSEH passe d'un régime de demande d'autorisation à celui d'une simple déclaration. Et là, ça fait un peu lecture parce que j'ai reçu son explication. Je vous ai fait une brève synthèse, mais je trouve que là maintenant c'est grave et j'ai plus forcément à rire et j'ai plus forcément envie d'en rire. Puis je vais vous dire, cette vidéo c'est aussi une prise de position et cette fois. Je suis beaucoup dans le chacun pense ce qu'il veut, on n'a pas à se juger, on a tous des angles de vue différents, des expériences qui font aussi qu'on comprend les choses différemment parce que c'est la vérité et ça on peut pas le nier. J'ai aussi entendu des gens qui m'ont dit oui mais de toute façon il faut rester entre gens qui pensent la même chose. Donc là, je vais peut-être marquer une rupture fondamentale avec mes amis, des gens que j'aime profondément parce que effectivement, je ne pense pas comme eux et je ne veux pas penser comme eux. Parce que je ne pense, encore une fois, je ne suis pas complotiste, loin s'en faut. Je ne suis même pas, personnellement, je ne me considère même pas comme réellement une lanceuse d'alerte. Mais par contre, il y a des sujets dont il faut débattre. Il y a des questions qu'il faut poser. Il y a des disputes qu'il faut avoir. Il y a des disputes qu'il faut avoir. Et si on est intelligent, on saura s'enrichir mutuellement, on saura en tirer encore une fois des conclusions qui s'imposent, mais on peut pas, les gens qui coupent le dialogue, la rupture de dialogue, juste parce que ce qu'on raconte, c'est gênant, c'est effrayant, que ça te fait sortir de ta putain de zone de confort, tant pis. Tant pis, je préfère être seule que de nier la situation actuelle. Moi, pour moi, c'est peut-être rien ce fait divers et ça va en faire peut-être glousser certains. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut pas ne pas y avoir de corrélation entre ce qui se passe en ce moment avec ces moustiques. Et c'est le début. Mais c'est le début. Parce que c'est encore une fois, c'est un truc qui va leur échapper. D'accord ? Ça laisse voir ce qui va arriver quand ça va toucher l'humain. Parce que pour le moment, c'est juste des moustiques. Bon, je ne vais pas partir non plus dans un discours militantiste. Vous l'aurez compris, ce sujet m'a passionné. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si je vais trop loin, si ça vous semble cohérent. Si comme moi, je vous encourage pas à détester Bill Gates. Par contre, méfiez-vous quoi. Méfiez-vous. Si vous pensez pareil que moi, j'essaie de répondre à tous vos commentaires, mais des fois, je viens de me rendre compte que YouTube m'envoie pas forcément des notifications systématiquement. Et comme je ne reprends pas, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et j'ai de plus en plus de commentaires, je suis désolée. Mais j'essaie de répondre au maximum. Toujours heureuse de recevoir des propositions de sujets. Toujours ravie de vous lire vos encouragements. Parce que vraiment, je tiens à remercier des personnes qui me motivent. Parce que il y a des fois, c'est compliqué. Hein. Il y a des fois, je ne vais pas me plaindre. Hein, je vais pas. Mais il y a des fois, c'est compliqué et vos commentaires vraiment me remotivent. Les idées de sujets, j'adore. N'oubliez pas, on like. Parce que pour le référencement de la vidéo, c'est important. Surtout que très certainement, vu de qui je parle dans celle-là, je vais passer à l'as, mais de ouf malade. Là, vous n'aurez ni notification, j'en mets ma main à couper.
Abonnez-vous, lorsque vous vous abonnez, la petite cloche, comme ça, quand je ne suis pas censurée, vous devriez recevoir des notifications. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas sûre cette fois-ci encore de pouvoir faire une vidéo du mercredi, parce que voilà, c'est compliqué, beaucoup de travail. Et je préfère vous faire une bonne grosse vidéo le dimanche, plutôt que des petites vidéos, peut-être pas assez abouties. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite une très très belle semaine et n'oubliez pas les amis, stay safe.